Jeu de forme et de lumière, l'image en microscopie d'une coupe d'un œil. Pas un œil comme le nôtre avec sa lentille unique, le cristallin, qui concentre la lumière sur notre rétine, non. Un œil constitué de milliers de petites facettes, contenant chacune une petite lentille. Un œil de drosophile, la mouche du vinaigre, si différent d'une autre. Et pourtant, le gène utilisé par les embryons de drosophile dans l'assemblage de leurs yeux est si proche de celui que nous utilisons dans la construction de nos yeux. Au point que si l'on remplace artificiellement son gène par le nôtre permet à la petite mouche de construire son œil aux mille lentilles. Et là, une œuvre du mathématicien Castleman, Penrose 11, déclinaison sur des motifs géométriques, glissement, parenté, passage d'une forme à une autre. Illustration abstraite qui évoque la richesse des variations que la généalogie a réalisées sur un même thème durant la longue histoire de l'évolution du vivant.